Je ferai, je fasse une intro comme ça. Sur la rythmique du truc. Yo tout le monde, c'est Kylian, j'espère que vous allez bien et moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Surgeon Simulator. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de Surgeon Simulator et ça m'avait manqué. Et là je suis sur le côté, je vois par contre des disquettes. Est-ce que... j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle mise à jour là. Je pense qu'il y a une nouvelle mise à jour. Parce que... ok, bon bah là le truc... les cassettes, on n'avait pas autant de cassettes, les copains, si. Et je... merde! Oh la vache! Je... non, ah, on m'appelle, attendez, attendez, hein, c'est un peu de panique. Oui, allô? Ah, attendez. Hop, oui, allô? Comment? Putain. Bon, le téléphone me fait chier de toute façon. On a plein de nouveaux trucs, on a de la disquette. Est-ce que je peux... oh, je suis en train de faire n'importe quoi. Là, on a une disquette. Bon, bah, lancer une opération, les copains, sachant que, petite information importante, je répéterai tout au long de la semaine. Comme vous le savez, enfin, pour ceux qui ont suivi la semaine dernière, je vais déménager, donc le déménagement va être assez imminent, ça va être genre fin du mois, début du mois prochain, donc ça va être un gros bordel au niveau du déménagement, et je déménage pas à côté, donc du coup, ça va être un peu le bordel. Et du coup, on va baisser le rythme des vidéos, donc au lieu d'avoir une vidéo le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, en fait, on garde le lundi, mardi, le mercredi, c'est repos, il n'y aura pas de vidéo sur la chaîne, par contre, jeudi, vendredi, on continue les vidéos et le week-end on fera des lives. Je vais voir si je vais, normalement je vais faire un live samedi prochain ou même vendredi prochain, enfin vendredi qui arrive. Donc restez de façon connectée, je vous tiens au courant sur Twitter, d'où l'importance de me suivre sur les réseaux sociaux. Comment c'est l'opération? Bah c'est parti. Je ne me souviens absolument pas du déroulé des opérations. Je m'en souviens pas du tout. Donc, réaliser une greffe de cerveau, ça va très bien se passer, mon petit monsieur Martin. Ça, monsieur Martin, par contre, j'oublie pas. Alors, on va commencer avec le tomahawk. Je me souviens... putain, je me souviens. Alors, attendez. Ah ouais! Eh, vous savez que je suis appuyé sur Shift, là? C'est n'importe quoi. Attendez. Alors... oh la vache. C'est comme un œuf de Pâques, hein. C'est pareil, hein. Le même concept. Hein. J'aime bien la musique, elle est cool. C'est le même concept qu'un œuf de Pâques. On fait tout pareil. Alors, je sais ce que vous allez me dire, Kiki, Pâques, c'est passé. On s'en fout, c'est pas grave. Moi, j'ai pas encore mangé mon lapin en chocolat. Donc, comme un œuf Kinder, pour découvrir la surprise à l'intérieur. Et Dieu sait que Monsieur Martin a une grosse surprise à l'intérieur, là, hein, avec ce qu'il a à nous offrir. Hein, Monsieur Martin, vous inquiétez pas, ça va aller. On vous a fait... une petite... comment on appelle ça pour endormir? Une... vous êtes en train de le gueuler derrière l'écran, je le sais. Une anesthésie, voilà. On a fait une anesthésie locale, pas générale. Hein, parce que c'est important quand même de discuter avec, bah avec Monsieur Martin dans son opération. C'est horrible. C'est quand même important de discuter avec lui tranquillou. Bah limite, j'ai l'impression que je suis plus douée à le faire quand le patient est debout. Par contre, derrière, faut casser la coque... au chocolat. Horrible. Merde. Ah là, à cause de cette erreur, là, putain. 7 millilitres. Est-ce qu'on peut le péter avec le côté du... c'est horrible ce que je suis en train de faire. Ne m'en voulez pas. Ah non. Concentration un petit peu. Ah, je peux pas le péter, là. Ah si, c'est bon. Voilà, je peux pas faire plus, hein. Écoutez, on va laisser ça comme ça. Et là, j'ai envie de dire... c'est le moment... oh putain! Ok. Tout va bien, monsieur Martin. Là, on a un petit scalpel! On avait un petit scalpel. C'est pas grave. Si on en a pas là, on en a forcément un là. Je crois que j'en ai un. Les amis, c'est comme ça qu'on avance. Tout doucement. Ah, je l'ai! Est-ce que c'est la seringue verte? Il nous la faut, il nous la faut! Faut pas perdre Monsieur Martin, je l'ai, c'est le principal, j'ai ça. Faut pas se piquer avec, je vous le dis, parce que là... oh putain! C'est bon! Voilà, Monsieur Martin ne saigne plus! Merde, la seringue, Monsieur Martin. Oh, attendez, j'ai la on va la prendre comme ça, c'est pas grave. On a quelques petits soucis. La cervelle, il nous faut la cervelle de Monsieur Martin. Il nous la faut. Donnez-moi cette cervelle, nom de Dieu. Bon là, va falloir la poser tel un petit bijou. Hein.
Alors là, tout a l'air d'aller, il va survivre, et c'est le strike pour Monsieur Martin. C'est ce qu'on a vu en 3 minutes 20, l'opération s'est quand même bien déroulée. Moi, je vais faire continuer pour le coup, c'est ce qu'on va faire. On va faire une autre mission parce que là, ça aurait été trop court. On va faire une autre mission pour Monsieur... Oh, c'est les yeux. Oh, putain. C'est le truc où faut sortir à la cuillère. Moi, je l'avais pété, mais je crois que... Oula. Mais il se casse le truc, en fait, là. Parce que je crois qu'on pouvait lui enlever, en fait, tout simplement. Mais c'est horrible ce que je suis en train de faire. Je vais regarder un truc parce que... Non, mais là, il perd beaucoup. Là, je pense que la mission est dead, clairement. Voilà, c'était juste pour voir ça. Oh, attendez, on a la seringue verte. Rien n'est perdu. Ça recommence. Putain de seringue. Elle m'emmerde. Elle veut jamais rester à sa place, cette seringue de merde. Attendez, il perd 17, mais c'est rien. Attendez, pour le moment... Colle Trisha. On s'en fout de Trisha, entre guillemets, pour le moment. Faut voir comment je tiens le truc. Hein. Voilà. Là, Monsieur Martin, il est stabilisé. Donc maintenant, on va essayer de la remettre à l'intérieur. Chose qui est impossible, en fait. La seringue se barre tout le temps. Ah non, c'est bon, on est bien. Donc, alors, attendez. On a ça, on a ça, on a ça. On va essayer d'enlever le bocal. Enfin, le... Voilà, ça... La seringue, on va essayer de la poser propre. Ok, au moment que j'ai dit, on va essayer de la poser propre, hein, la seringue. On va carrément prendre ça, hein. On va l'attraper direct comme ça. Et on va la verser délicatement, tel un coulis de chocolat. Par contre, je vais bien la poser délicatement, mais voilà, c'est bon, on l'a. Donc, Monsieur Martin, ne paniquez pas, bien évidemment, tout va bien se passer. Voilà, là, on va être bon, là. Une cuillère pour maman. Horrible, ce qui va se passer. Éloigner les enfants de l'écran. Ah, ça y est. Je pense que... Putain, comment je tiens le truc, quoi. Je pense qu'il fallait... Je suis sûre que vous allez me mettre dans les messages. Kiki, il fallait faire en sorte que les yeux... soit tenu, enfin faut bien qu'il y ait un truc pour tenir l'œil ouvert, je pense. Je peux pas enfoncer ça direct comme ça. Là je vais le faire comme ça, c'est dans mes souvenirs, je crois que je l'avais fait comme ça. Mais je suis sûre qu'il y a un truc pour... Sauf que je vois... Ça peut pas être les ciseaux. Hein. Ah, c'est peut-être ces petits ciseaux là, ils ont l'air d'être totalement différents des autres. La scène qui est en train de se dérouler est horrible. Hein. Bon. Que personne ne panique. Je connais mon métier. Le mec, il a pas de gants, il te fait ça, mais... Voilà. Plus un... Putain, faut pas que je me pique. Hein. Plus important, c'est de connaître son métier. La cuillère. Une cuillère pour maman. Oh mon dieu. Je la tiens. Oh! Faut avoir les nerfs solides, moi je vous le dis les enfants. Putain. Bon bah j'aurais dû peut-être prendre un truc pour couper. Voilà. Pas de cuillère à l'horizon. Bah les cuillères, comment ça se passe là? On en a une en... Ah oui, j'ai une cuillère là, au pire je suis con. Hein. Mais si je pouvais l'avoir à l'endroit... Oh, ils sont tombés direct! Ils sont tombés tout seuls! Regardez, ils sont prêts à tomber dans le gobelet, dis donc. Ah, tu veux te voir, Monsieur Martin? Eh ben, regarde-moi ce regard. Alors, on va prendre un scalpel. Oh merde. Là, on y va doucement. Raffiné. Putain, c'est dégueulasse. Pourquoi ça coupe pas? Il reste un truc. Hein. C'est bon. Oh! On serait dans un film d'horreur, bordel. On y va un petit peu à la brutale. On va lui mettre une piqûre après. Pas de panique. Voilà. Monsieur Martin, par contre, je sais pas si je vais réussir à le piquer là.
Elle est vide ou quoi la seringue? Ah voilà. Pas de panique, monsieur Martin. J'ai la situation bien en main. Où sont vos yeux, monsieur Martin? Parce que là, ça va être compliqué, il va se réveiller dans le noir. Ça va être con. C'est peut-être les yeux que j'ai poussés. Bon. Par contre, je sais pas comment je vais remettre ça. Y a rien. C'est de la connerie, y a rien dans cela. Dans cela non plus. Mais où sont ses yeux, bordel? Oh! J'ai tout fait tomber. On va choper la petite balle noire, là. Si on peut... Bon, on peut pas. Allez. On va le mettre comme ça, hein. C'est horrible. Oh, genre! Mais ça va, en fait! Et l'autre, quelle couleur on met, les copains? La noire! Putain! On va mettre la petite blanche, hein. Je tiens pas bien du tout. Là, je vais encore arriver trop tard. Ah, j'arriverai pas à la voir. Bon, là, faut bien les attraper, en fait, à bout de doigts. Je l'ai. Comme ça. Regardez-moi ça. Telle une petite pièce de puzzle qu'on va mettre. Regardez, la dernière pièce de puzzle. Regardez, on y est presque. On y est presque. Horrible. Monsieur Martin, faites un effort, levez la tête, bordel de merde. J'y suis. Hétérochromie. Un scalpel n'est pas un jouet. Bon, alors oui, effectivement. Il ne restait plus que 1508 millilitres d'eau. Millilitres d'eau. Il restait plus que 1508 ml de sang dans le corps de Monsieur Martin. Je suis d'accord avec vous. Un dé tout de suite à l'opération pour 18 minutes. C'est correct, je suis désolée, toi derrière ton écran, c'est correct, va faire ce que j'ai fait. C'est pas facile, d'accord, monsieur Martin, sur son chariot, là, comme ça, tranquillement, en train de rouler de salle en salle, sachant que les salles sont très grandes, hein, puisque là, ça fait 18 minutes qu'on voit de rouille, on n'a toujours pas réussi à rentrer dans la salle d'opération de monsieur Martin. Voilà, c'est très correct. Donc, oui, alors monsieur Martin n'a peut-être pas deux yeux bleus, deux yeux marrons, machin, mais le principal, c'est que monsieur Martin ait retrouvé la vue. Et ça, c'est le plus important, les copains, j'ai envie de vous dire. Et la prochaine opération, elle consiste en quoi? On va regarder. Ah oui, la prochaine opération, c'est les dents. Ok. Et ça, c'est quoi? Ah oui, c'est Trump. Donc, ah, mais on en avait l'alien. Je sais pas ce que c'était l'autre à côté. Je sais pas ce que c'était. Bon, en tout cas, on verra. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir plus d'épisodes sur Surgeon Simulator. Je vais dégager le téléphone avant qu'il se mette à sonner. Parce que je le sens venir gros comme une maison. Du coup, en attendant les copains, je vous fais de gros bisous. Et tout au long de la semaine, je vous donnerai des infos du coup, comment va se passer la chaîne, l'avancée. De toute façon, tout va être amélioré. Hein. Quand on va déménager, en fait, tout va être amélioré. J'aurai ma propre pièce YouTube, j'aurai la fibre. J'aurai une meilleure installation justement pour mon fond vert, pour les streams. Il y aura beaucoup plus de streams puisque j'aurai la fibre. Tout va s'améliorer en fait. Donc, ça va être vachement cool. Et n'oubliez pas, comme je vous ai dit, du coup, le mercredi, il n'y aura plus de vidéos sur la chaîne pour le moment. On verra par la suite. Mais pour le moment, je veux me contenter de 4 vidéos par semaine. Je que c'est déjà très bien comme contenu, et puis après me focus si possible, là, si j'ai de la 4G, là j'en avais plus, normalement ça va revenir vendredi si je dis pas de conneries, me focus du coup sur les lives le week-end. Donc en attendant, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat, de toute façon toutes les listes dans la barre d'infos. Twitter c'est hyper important, c'est là où je donne le maximum d'infos, notamment pour le déménagement et tout ça, c'est là où il y a le maximum d'infos. Donc en attendant, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.